Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de tarot. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tarot aux ramures étranges aux éditions Vega. Donc, c'est un tarot créé par Rouxalis. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. On va faire la présentation complète. Vous verrez, c'est un tarot donc inspiré du Rider-Waite avec deux cartes supplémentaires et on est dans une ambiance nature, mais pas uniquement. Aventurez-vous dans cette forêt aux ramures noueuses, abritant les réponses à toutes vos interrogations. Des arbres aux cimes s'entremêlant, aux océans aussi profonds que luxuriants, parcourez ces chemins sinueux sous la lueur des étoiles et laissez-vous guider par les personnages mystérieux qui habitent tous ces paysages enchantés. Ils détiennent les enseignements ancestraux des arcanes du tarot. Inspiré du Rider-Waite, le tarot aux ramures étranges vous invite à un voyage initiatique compté par les messages puissants que les lames vous murmurent. Grâce à son livre d'accompagnement de 176 pages tout en couleurs et ses 80 cartes oniriques et fabuleuses, ce tarot sera un véritable compagnon spirituel inspirant. Alors, on va sortir les cartes. Donc, on a le livret ici, on a les cartes. Voilà les cartes. Alors, on a un magnifique pochon. Je vais vous montrer ça. À l'intérieur, on a une petite citation. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. J'aime beaucoup. Je vous montre ici également un beau coffret et le pochon. Est très beau aussi, un joli pochon. Alors, au niveau des cartes, on va les regarder brièvement, on va les regarder ensuite une par une. On est sur un format un petit peu plus grand que le tarot traditionnel. On n'a pas de marge. Sur chacune des cartes, on retrouve donc le titre en haut. On n'a pas de comment dire, de tranches dorées. Elles sont simples. Au niveau du dos, le voici. Voilà pour les cartes. Donc on verra tout ça tout à l'heure. Au niveau du livret d'accompagnement, donc il est en couleur. On va regarder ce que l'auteur propose. Donc on a ici le sommaire. Donc déjà, vous avez un petit peu une proposition pour vous connecter au tarot. Vous avez des tirages de cartes. Vous avez ensuite donc les messages des cartes. Donc on a les arcanes majeures qui gardent leur nom, qui ont gardé leur nom. Vous avez donc les deux arcanes supplémentaires qui sont en haut et en bas. On va y revenir tout à l'heure. Les arcanes mineurs, donc on a d'abord tous les as, donc potentiel et manifestation, donc ils ont gardé leur nom. On a le 2, donc la dualité, donc tous les deux, 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de coupe, 2 de pentacle. Les 3 pour la communication, les 4 la stabilité, les 5 l'adversité, l'évolution, le 6 la transition, le 7 la foi. Le 8, la persévérance. Le 9, l'apogée. Le 10, l'aboutissement. Ensuite, les figures. Nous avons donc le valet, le message. Le cavalier pour l'action. La reine pour l'influence. Et il n'y a pas de roi, ce sont des déesses. Donc la déesse qui représente donc l'autorité. Alors, ici, on a une petite introduction par la créatrice. Ensuite, pourquoi utiliser un tarot? Évolution et réappropriation du tarot. Donc là, il y a un petit peu l'historique du tarot et la façon dont Rouxalis voilà, s'est approprié l'oracle, enfin le jeu, et l'a transformé dans cette réédition. Comment tirer les cartes? Donc raconter ton histoire. Notre monde est une longue histoire que l'on se compte depuis des siècles. La parole est un outil puissant, elle peut être engagée pour la justice, éducative pour imaginer un futur meilleur, chantée pour émerveiller les cœurs. À une époque pas si lointaine finalement, quand le soir venu, la seule lumière était celle d'un feu de cheminée et de bougies, on s'asseyait pour écouter les récits d'un scald, d'un poète ou tout simplement d'un membre de la famille. Ces contes devaient offrir des leçons de vie aux plus jeunes et rappeler l'histoire aux plus âgés.
De là viennent nos mythes, de là essayons-nous encore de reconstruire le monde passé. Lire un tarot est un exercice qui s'apparente à la création d'une histoire. Il s'agit d'abord de la réflexion sur soi, sur l'expérience vécue ou sur les possibles. Ensuite, on formule la bonne question en évitant celle auxquelles on peut répondre par un simple oui ou non. Après avoir battu les cartes, en y portant ton attention, révèle tes réponses. Regarde attentivement les illustrations, les couleurs, les paysages, les visages, chaque détail compte. Tu peux t'appuyer sur les explications du livre pour approfondir ta lecture. Il est important de relier les cartes d'un même tirage entre elles. Leur voix mise en harmonie forme le cœur et le cœur de ton propre récit. Avec le temps et l'expérience, tu sauras poser les bonnes questions et apprivoiser les cartes en décryptant leur langage. Les quatre éléments. Le tarot aux ramures étranges contient 78 arcanes classiques ainsi que deux lames propres à ce jeu. Les 22 arcanes majeurs sont introduits par le fou et numérotés de 1 à 21. Il représente la quête spirituelle d'un être. Dans les cartes restantes, 56 sont réparties en 4 suites, chacune significative dans un domaine particulier. Donc, ces arcanes mineures sont regroupées en 4 suites, les épées, les bâtons, les coupes et les pentacles. Chaque suite porte en elle l'essence même des 4 éléments associés. Donc on a les épées qui sont associées à l'air, les bâtons au feu, les coupes à l'eau. Donc c'est un petit peu plus détaillé à chaque fois, hein, bien sûr. Pentacle, donc pour tout ce qui est la terre, l'aspect matériel, etc. Ensuite, vous avez des propositions de tirage. Tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, corps, pensée, esprit, situation, problème, solution, etc. Vous avez le tirage des ramures énergétiques. Donc je te propose un tirage qui fonctionne à merveille avec ce tarot car il a été déniché entre les racines de notre étrange forêt. Voici comme un feu follet curieux parti à l'exploration d'une certaine énergie, la tienne, celle d'une nouvelle situation qui se présente à toi ou même du tarot. Pense à l'énergie qui t'intéresse, mélange les cartes, tu peux maintenant les tirer pour les disposer dans l'ordre suivant. Donc c'est un tirage en 5 cartes. Le tronc, le noyau de l'énergie, les racines, son origine, les branches vers quoi cette énergie tend, ce que cette énergie attire, ce que cette énergie repousse. Ensuite, on passe au message des cartes. Donc, on a d'abord toutes les majeures. Donc, on a à chaque fois la reprise de l'illustration en couleur sur une page entière. Et ensuite, vous avez l'interprétation de la carte. Donc, on a une page par carte. Donc là, on a d'abord donc toutes les majeures. Ensuite, nous avons donc les fameuses cartes ajoutées. Donc les arcanes supplémentaires. Les deux cartes supplémentaires que tu vas découvrir dans ce tarot fonctionnent par opposition complémentaire, telles la lune et le soleil, le yin et le yang. L'une est née du feu et de l'air, l'autre de la terre et de l'eau. Utilise-les comme des portes ouvrant sur les mondes respectifs qu'elles représentent en visualisation et en tirage classique. Donc vous avez en haut et en bas. Voilà. Et ensuite on passe donc aux mineurs. Donc qui sont classés donc tous ensemble. Donc on a les as ensemble, les deux ensemble, etc. Et à chaque fois on a une page pour chacune des mineurs. Voilà, à la fin, vous avez à propos de l'autrice et les remerciements. Donc, vous pouvez la retrouver sur Instagram, @Rouxalis. Donc, Rouxalis est une autrice illustratrice qui tire son imaginaire des contes de fées et des légendes de lointains pays froids où la nature et le merveilleux cohabitent paisiblement. Elle veut permettre à tout le monde d'accéder à ces espaces sauvages présents à l'intérieur de soi-même grâce à ses aquarelles oniriques et aux tirages qu'elle crée. Et ensuite, vous avez les remerciements. Voilà, notamment à sa sœur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va regarder les cartes une par une.